danse, nous utilisons plusieurs accessoires. Donc ceci est le deuxième que je vous présente, qui représente un instrument de musique. Mais ici, c'est une copie qui permet de danser avec. Il y a une forme un peu en sablier qui peut entièrement se démonter. On le tient de cette manière quand on veut le faire résonner. Et toujours, ce qui est important, c'est de viser le cercle qui permet de faire résonner dans un geste gracieux et ample le tambourin. On peut le porter dans le soumis, on peut le porter comme ceci, ou effectivement le faire résonner. Il peut être utilisé comme au cours de la danse, pas seulement en tant qu'instrument de musique. Il peut être aussi manipulé, présent. Donc je souhaitais vous présenter les accessoires que j'utilise pendant la danse. Donc il y a plusieurs accessoires, dont celui-ci qui est un kako et qui se porte assez haut sur le kimono, comme ici, qui est attaché dans le dos, par-dessus le hobi. Il y a deux petits bâtons pour faire une sorte de résonance. Ce qui est important, c'est, malgré qu'on ne résonne pas vraiment, de toujours viser le centre ici du kako pendant qu'on danse. Donc c'est cette gestuelle qu'il faut utiliser. Soit on frappe sur les bâtonnets, soit on frappe sur le kako. C'est plusieurs utilisations différentes.